Michel et moi, nous avons la même idée. Nous cherchons la perfection. La perfection dans la musique, dans la technologie, et ici la perfection dans le cristal. Il y a 40 hommes qui travaillent sur cette pièce. C'est une pièce limitée. C'est une pièce qui porte l'emblème de René Lalique, le masque et les perles. C'est un petit peu la rencontre du cristal et de ce que pourrait être le cristal sur le plan sonore, c'est-à-dire la qualité ultime, à la fois sur le plan technique et acoustique et à la fois sur le plan esthétique. Et vous assistez, comme moi d'ailleurs, à l'aboutissement de ce rêve, qui sont les premières chaînes Hi-Fi Lalique, qui est un projet absolument unique au monde, puisque il n'y a jamais eu jusqu'à maintenant de collaboration entre deux secteurs artistiques, celui de la musique et celui du cristal. Mais au fond, en tant que musicien, j'ai toujours cherché l'idée du son le plus pur, c'est-à-dire au fond, le crystal sound, comme on pourrait le dire en anglais. Il se trouve que j'ai un lien aussi personnel avec le cristal, c'est qu'il y a un instrument très rare qui s'appelle le cristal bachet, qui est en fait un luthier qui, dans les années 40-50, a mis au point des instruments qui sont des instruments de verre, mais au lieu d'avoir des touches, on a des tubes de cristal et qui sont amplifiés par des haut-parleurs en inox. Et je dirais que tout ça, c'est aussi lié au fond à l'idée de la perfection musicale et le sens de la perfection française. C'est des instruments uniques. Et on se retrouve exactement dans cette situation-là avec ce projet. Donc il y a à la fois l'idée de la pureté dans le cristal et dans le son, mais aussi l'idée de la collection, c'est-à-dire de l'objet unique. Vous venez de découvrir ici l'Aerosystem One par Lalique. C'est le stade ultime de nombreuses étapes de fabrication et de contrôle. Les hommes sculpteurs de lumière et de son ont créé cette œuvre contemporaine. L'Aerosystem One est la synthèse parfaite de la haute technologie et de l'artisanat d'art.